Bonjour et bienvenue dans la vidéo où tu vas faire des additions. Alors, je suis sûre que tu connais déjà plein de choses sur les additions. Tu connais peut-être le signe de l'addition. C'est la croix, toute droite comme ça, qui veut dire plus. On commence par un exemple. Imagine que tu aies dans la main un jeton rouge. Et imagine que je te donne un jeton bleu. Dans la main, tu as un jeton rouge et un jeton bleu. Eh bien, en mathématiques, ça s'écrit un jeton rouge plus un jeton bleu. Et on voudrait savoir combien ça fait de jetons. Et pour cela, on écrit le signe égal dans notre phrase mathématique. Pour savoir combien ça fait un jeton rouge plus un jeton bleu, tu dois compter combien tu as de jetons dans la main. 1, 2. 1 plus 1 égale 2. Et quand on écrit cette phrase mathématique, eh bien, on dit que c'est vrai pour tout. Que c'est vrai pour les jetons, mais c'est aussi vrai pour les billes, pour les pommes et même pour les buts de foot. Un but marqué plus un but au cours de la partie, en tout, on a deux buts. On passe à un exemple un petit peu plus compliqué. Cette fois-ci, je prends des billes. Imagine que tu as trois billes. Et puis, tu joues tellement bien que tu en gagnes quatre pendant la partie. Pour finir, combien as-tu de billes? Eh bien, pour cela, on va faire pareil que tout à l'heure, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour finir, tu as 7 billes. Eh bien, en mathématiques, ça s'écrit 3 billes au départ plus les billes que tu as gagnées, 4 billes égale 7 billes. 3 plus 4 égale 7. Alors là, on vient de représenter l'addition avec des billes, une quantité de billes plus une autre quantité de billes. Eh bien, je vais te montrer un autre exemple. Je ne sais pas si tu as déjà joué au jeu de loi quand tu étais petit. On a un parcours comme ça, avec notre case de départ. Puis ensuite, il y a la case numéro 1, la case numéro 2, 3, 4. Et puis, on doit avancer de case en case avec un dé. Et puis, c'est le dé qui nous dit de combien de cases on doit avancer. Puis, quand on arrive à l'arrivée, on a gagné. Enfin, entre-temps, il y a plein d'embûches. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a plein de difficultés. Alors, je vais mettre une flèche pour dire que ça continue, hein, que notre jeu de loi n'est pas fini. On imagine que ton pion est sur la case numéro 3. Et puis, avec le dé, tu tires un 4. Donc, le dé, hop. Tu tires le dé et tu as fait 4. Alors la règle du jeu de loi te dit que quand tu as fait un 4, tu dois avancer de 4 cases. Donc on part de la case numéro 3, 1, 2, 3, 4. On arrive sur la case numéro 7. Eh bien en mathématiques, ça s'écrit aussi 3 plus 4 égale 7. Et pour tout te dire, moi quand je pense aux additions, je pense bien plus souvent à la ligne du jeu de loi plutôt qu'aux billes. Alors évidemment, on ne va pas le représenter tout le temps avec ce jeu de loi parce que c'est un petit peu long. On utilise ce qu'on appelle la droite graduée. Une droite graduée, c'est une ligne sur laquelle on écrit les nombres. Là, j'ai représenté les nombres entiers de 0 à 12. Je vais te montrer comment faire des additions grâce à la droite graduée. Alors imaginons qu'on veut faire 8 plus 1. Pour faire 8 plus 1, on part du 8. Et comme avec le dé, on avance d'une case, ici c'est d'une graduation, vers la droite. Donc on fait 8 plus 1. Et on arrive à 9. 8 plus 1, ça nous donne le nombre qui est juste après 8, c'est 9. Essayons avec une addition un petit peu plus difficile. Combien vaut, par exemple, 5 plus 6 ? Avec ce qu'on vient d'apprendre, 5 plus 6, ça veut dire que l'on part de 5 et que l'on doit avancer vers la droite de 6 graduations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On arrive au 11, donc on peut dire que 5 plus 6 égale 11. Et si maintenant on calculait 6 plus 5, on aimerait bien savoir combien ça vaut. Alors grâce à la méthode qu'on vient d'apprendre, on sait que pour calculer 6 plus 5, on part de 6 et on avance de 5 cases. 1, 2, 3, 4 et 5. Le nombre sur lequel on arrive, c'est 11. Donc le résultat de 6 plus 5, c'est 11. Et on observe que 5 plus 6 est égal à 6 plus 5. En fait, ça paraît assez logique. Imagine que tu aies 5 billes et que tu en gagnes 6. Dans ton sac, tu auras pour finir, ça c'est ton joli sac de billes. Dans ton sac, tu auras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu auras bien 11 billes.
que tu aies commencé par en avoir 5 et ensuite que tu en aies gagné 6, ou que ce soit le contraire, que tu en avais 6 et que tu en gagnes 5, de toute façon dans ton sac, tu auras 11 billes. Encore un exemple. Essaye de calculer 8 plus 7. Tu peux mettre la vidéo sur pause et puis utiliser la méthode qu'on vient d'apprendre. Voilà, alors j'espère que tu as réussi ce calcul. 8 plus 7, ça veut dire qu'on part de 8 ici et qu'on avance de 7 graduations. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme on atterrit sur 15, on peut dire que 8 plus 7 égale 15. Dernier exemple à toi. Essaye de faire 9 plus 5. 9, on part de la graduation ici et on ajoute 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On arrive sur 14. 9 plus 5 égale 14. Une dernière petite remarque pour conclure. Tu vois, tout ce qui est ici, là, on ne l'utilise pas. En fait, quand on fait une addition avec la droite graduée, le plus simple, c'est de commencer la droite là où commence notre calcul. Exemple ici, tout ce qui est avant le 8, on aurait pu l'enlever, ce n'était pas la peine de l'écrire. Voilà, on aurait pu commencer notre droite graduée à 8. 8 plus 7, ça fait 15. 9 plus 5, on va vers la droite, ça fait 14.